Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous présenter un enchaînement de rock'n'roll d'un niveau intermédiaire. Il se nomme le tonneau. Alors, départ de face. On amène sur le côté, un chassé en passant le bras sur la tête et on repousse. Ça nous fait 1, 2, un mouvement latéral. On amène la cavalière avec le bras gauche, mais avec un mouvement du corps sur le côté, sur le 1. Attention de ne pas faire le 1 en arrière. Pourquoi? Parce que ça donne de l'énergie dans ce sens, alors que là, on veut une énergie dans ce sens. Donc j'amène sur le côté, je reviens sur mon 2, je commence à m'alenter. Sur le 3 et 4, je vais me faire mon chassé, mais en levant immédiatement le bras. Sur le 5 et 6, je reviens et je descends le bras pour prendre la connexion et je pousse. Donc ça nous fait 1 latéral. Le 2, je commence à m'orienter. Sur le 3 et 4, j'avance, mais je lève le bras ici pour ne pas lui demander d'aller dans cette direction. Juste une rotation sur le 3 et 4, 5 et 6. On est en face, on descend le bras pour reprendre la connexion, on tend le bras. Et là, on pousse, hop, 7, 8. Et on ramène 1, 2, 4, 5 et 6. Ça nous fait donc 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6, pouce. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Pour les cavalières, on suit bien le bras sur le départ face à face. Ici, il nous emmène sur le côté. Alors, notre première réaction serait d'envoyer le pied en arrière. Normalement, on est censé suivre le bras. Donc, si notre bras il va vers la droite, il faut suivre le pied aussi vers la droite. Le 2, il ramène, donc notre 2 s'oriente vers la gauche. 3 et 4, je continue à suivre mon bras. Et sur le 4, je reste sur place. Le 5, on le laisse bien sur place. Et le 6, on ramène nos deux pieds. Pour le saut, quand il prend appui, ça c'est un signe où moi aussi je dois prendre ici appui avec le bras. Parce que si vous gardez le bras un peu mou, ben, il aura beau pousser, je ne vais pas bouger. Donc on prend appui, il faut un peu tenir son bras pour justement sentir le saut. Et après, il nous ramène dans ses bras.